Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo concernant un objet que je viens juste de recevoir. Bon, et qui est dans cette boîte. Voilà. Voilà, voilà. Oula, je vais pas le remuer trop fort parce que. Voilà, donc c'est une grosse boîte. Donc c'est arrivé juste aujourd'hui. Je suis super contente. Il est arrivé vraiment beaucoup plus tôt que prévu. Et donc dedans, qu'est-ce que cela contient? On va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir ensemble. Alors bon, je suis pas super bien installée, mais hop et hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous dire ça. Donc, voici donc. Un poster avec toutes les postures que l'on peut faire avec cet appareil. En fait, c'est pas vraiment un appareil, c'est un petit banc qui va me permettre de faire les postures d'inversion. Je pense que vous avez vu sur Instagram, hein, j'ai fait une petite vidéo dernièrement parce que je pratique beaucoup la posture d'inversion. Donc à même le sol, enfin pas vraiment à même le sol parce que moi je prends un petit coussin que je me mets sous la tête, mais justement avec ce petit banc d'entraînement qui s'appelle le Fit Up Trainer, je vais pouvoir le faire pour améliorer et surtout pour pas se faire mal au niveau des cervicales. Là donc c'est un petit banc qui permet d'avoir, bon je vais vous montrer après dans la suite de l'émission, mais qui permet de pouvoir vraiment mettre sa tête dans un petit coussin et d'avoir les cervicales qui sont bien protégées. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc une petite notice avec, je vais mettre les lunettes, donc de Fit Up Experience, puisque maintenant ils ont aussi une application qui va permettre de pouvoir s'entraîner et de suivre sur l'application donc les entraînements. Donc ça c'est carrément ça c'est génial. Support online aussi, nanana, voilà, donc ça c'est super bien. Donc voilà, le Fit Up Trainer c'est ça. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc c'est un petit banc qui permet de faire la posture d'inversion. Alors d'ailleurs je vous fais voir ça aussi. Vous voyez, on peut aussi s'en servir comme petit banc pour mettre son ordinateur. Voilà. Donc là, c'est le mode emploi qui est dans toutes les langues. Et aussi, justement, avec le mode emploi pour le montage. Donc visiblement, il y a tout ce qu'il faut. Ça, ce sont tout ce qui est la visserie. La visserie qui va permettre le montage. Ici, donc, ça. Les petits supports avec marqué Fit Up. Moi je suis trop contente, vraiment je suis ravie. Je pense que ça va me changer la vie parce que quand même de faire ça à même le sol, bon au niveau des cervicales c'est un peu dangereux. Et donc ça c'est le coussin que je vais déballer avec vous, comme ça je vais vous montrer. Donc, moi j'ai choisi en blanc, mais après voilà, voyez. Donc là, on a vraiment la découpe qui va permettre de passer la tête. Eh bien écoutez, je vais faire un peu de montage, un peu de bricolage et un peu d'entraînement aussi parce que, bon, il va falloir quand même que je m'entraîne avec ça. Et puis, je vous retrouve quand tout ça c'est monté. Voilà. À plus tard. Ciao, bye bye.
Voilà, donc je mets les petites vis. Ouais. Là. Vraiment, c'est super. C'est vraiment génial pour à monter. Là, vous voyez bien. Il y a la petite clé. Alors aujourd'hui c'est récup, pas de cardio et à la place j'ai décidé de faire une petite séance un petit peu plus longue au niveau du fit-up. Donc moi je suis vraiment ravie pour travailler au niveau des postures d'inversion. C'est absolument formidable. Donc aujourd'hui voilà, à la place de faire du cardio, je vais un petit peu passer avec mon petit banc là. Alors c'est parti, on y va.
Voilà, alors écoutez, j'espère que cette vidéo concernant le Fit Up Trainer vous aura intéressé. Moi, je suis vraiment ravie, donc je résume un petit peu pourquoi j'utilise ce Fit Up Trainer. C'est parce qu'à la base, donc, je pratique les postures d'inversion. Pourquoi ? Parce que ça me permet de renforcer ma sangle abdominale, mais aussi de travailler au niveau de mon transit intestinal. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus sur l'autre chaîne. Aussi, donc, vous avez pu observer qu'au niveau de l'équilibre, j'ai vraiment du travail à faire. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de travailler au niveau de l'équilibre. Au niveau aussi de la proprioception, c'est-à-dire vraiment pouvoir se situer en conscience ou non dans l'espace. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment un travail très intéressant. N'hésitez pas à vraiment foncer. Vous avez vu qu'en très très peu de jours, j'ai fait exprès de filmer un petit peu chaque jour parce que on se rend compte qu'en très peu de jours, on fait beaucoup de progrès déjà, et puis vraiment, allez-y, c'est un jeu d'enfant. Ça, moi, je suis pas du tout une ancienne gymnaste, je suis pas une sportive de haut niveau non plus, donc faites-le, vous allez être impressionné par vous-même, parce que d'abord, en plus, je trouve que c'est très joli. Après, on peut faire des jolies postures, et puis filmez-vous, comme ça, vous allez prendre confiance, vous allez vraiment vous voir en train de faire ça. Moi, je trouve que c'est très très joli, c'est très motivant. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, et puis faites-moi des petits retours là-dessus, tiens, j'aimerais bien savoir un peu votre retour. Voilà, alors je vous dis à très vite, bye bye, ciao.